Là. Wow. Toujours impressionnant de se voir. Putain, j'ai les cheveux qui repiquent là. Il fait un temps pourri. Fumer sa clope de ce temps-là, c'est vraiment pas génial. Hein. Salut Rico, salut Jean-Claude. Temps de merde, c'est incroyable. C'est vraiment. J'aime pas l'automne, mais là vraiment, c'est l'automne, quoi. C'est un temps, mais pff, il pleut, il fait du vent, il fait froid. Oh. Voilà, c'est un temps normand, mais en pire. Bon, bref. Bref. On va continuer un peu le VG5000. On va essayer de terminer, d'en terminer avec. Avec le mode 80 colonnes, alors je ne promets pas que ça va fonctionner ce qu'on fait parce que en fait l'émulateur fait de la merde et on s'en est rendu compte parce que il y en a qui ont transféré sur un vrai VG5000 ce que je fais et il se trouve que au niveau des couleurs et tout, bah, c'est absolument pas ce qu'il faut. Bref, en théorie, le VG5000 reproduit ce que je dis, mais c'est en théorie. Et tant que je ne teste pas sur la vraie machine moi-même, bah, je ne vais pas pouvoir savoir s'il y a un problème ou pas. Bon, bref, c'est un peu le bordel. Aujourd'hui, alors je sais où on s'en était arrêté le dernier coup. On avait dû placer un caractère à l'écran, je crois. Attendez, je vais regarder le source du stream de la dernière fois, le border, les couleurs, numéro de caractère, ligne, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai vu deux, trois trucs dans la doc. Du coup, je me suis imprimé la version complète de la doc, là. Voilà. Je le dis, hein, elle est pourrie. C'est de la merde, c'est un fake. Mais par contre, il y a le tableau là. Normalement, tu m'as imprimé ça un peu. C'est pas super lisible. Ouais, voilà. On m'a imprimé des fois. T'as l'impression que j'ai plus d'encre alors qu'en fait la cartouche est neuve. Bref, c'est le tableau qui est bouché là-dedans. Ce qui est curieux, c'est qu'on m'a bien imprimé le début, mais pour la fin. Mais j'ai vu qu'il y avait des trucs qu'il faut que je teste. Il y a une instruction INI, par exemple, qui incrémente le Y. Alors ça, c'est plutôt cool, si ça fonctionne. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, sauf sur l'émulateur, hein, bien entendu. Mais par contre, c'est cool, parce que là, je suis en train de coder un désassembleur sur la vraie machine. Enfin, pour que ça fonctionne sur la vraie machine. Et du coup, c'est plutôt pas mal puisque si j'ai une fonction qui incrémente Y, bah, il y a juste à foutre le X à 0 et on a un retour chariot, quoi. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a un. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Ils ont pas été jusqu'à nous mettre un retour chariot, vraiment. Ce qui aurait pu être cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clear page. Bon, bah ça, je sais pas si ça marche. Mais par contre, dans les clear pages, il faudra que je regarde quand même sur la vraie machine. Comment ça fonctionne, si ça fonctionne. Donc on a le incrémentique Y. On a des V5 masques. Donc je sais pas exactement comment ça marche. On a des trucs mauve double buffer. Ben ça, pff, mystère. Mystère, mystère. Je sais pas comment ça marche non plus. On a un truc expansion. Je sais pas quoi ça m'a fonctionné. Enfin, à quoi ça sert. Compression, c'est pareil. À quoi sert le compression, ça c'est un mystère total. Bref, il y a encore plein de trucs, même au niveau des instructions, je sais pas à quoi ça sert et on verra ça plus tard. Je pense que, alors j'ai toujours pas eu le temps, hein, j'ai pas de temps, hein, enfin j'ai pas de vie, on va dire, entre le boulot et puis s'occuper des gamins, etc., enfin de tout le bordel, j'ai vraiment, vraiment pas de temps. Donc en fait, j'ai que le lundi, donc là je fais le stream ce matin, cet après-midi, mais j'ai l'intention de coder. Pour mon désassembleur. Bon, ça avance tranquillement. Pour l'instant, ça désassemble pas grand-chose. Sachant qu'un désassembleur, bah, ça a l'air facile comme ça à faire, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a plein de petites conneries à gérer.
Les cas particuliers de merde, par exemple tous les sauts relatifs, etc., afficher ça correctement. Bref, c'est rigolo, moi j'aime bien, c'est marrant. Voilà, donc on va continuer et aujourd'hui, on va essayer de se faire un caractère. Un caractère maison. Alors ça va pas être joli. Attendez que je descende, que j'arrive. Hop. J'ai fait la doc, donc. Voilà. Mode semi-graphique. Alors. Est-ce que j'avais une scène? Sur celle-là, je pense. On va mettre là-dessus. Yes. Bon, voilà. J'espère que c'est assez grand. Alors oui, un petit mot vite fait sur ma doc. J'ai décidé de pas garder forcément les noms que eux donnent dans leur doc, parce que je trouve que c'est de la merde et que à retenir. Moi ça me va pas. Du coup on avait les paramètres couleurs. Hein, je sais plus ce qu'ils mettaient comme, truc pour les bits. La bête ça, la bête ça. Où est-ce qu'ils ont foutu ça là-dedans? Je vais retrouver ça. Je sais plus c'est quelle page. Ah ouais, ça doit être NFUD qu'ils avaient mis. Et moi, je mets ICSA, parce que au moins, ça veut dire quelque chose. I pour inversion, C pour clignotement, S pour soulignement, et A pour active, comme couleur active. Parce que là, E, je sais pas ce que ça veut dire. F pour clignotement, flash, sans doute. U pour soulignement. Mais ça doit être en anglais, de toute façon. Donc, voilà. Je vois pas l'intérêt. En plus, le VG5000, j'imagine, c'est une machine française. Je ne sais pas pourquoi je me ferais chier à garder des trucs anglais. C'est un peu de la merde. Donc voilà. Donc je refais tous les schémas. J'explique les trucs à peu près correctement. Enfin, du moins, j'essaie que ce soit compréhensible. Et voilà. Alors, on va passer à ça. Alors, il faudrait que j'allume DC, machin truc. Quoique, j'en ai pas besoin tout de suite. On va plutôt mettre ça. Voilà, donc ça c'est le code de l'autre fois. Alors, je vois pas si vous parlez en même temps. C'est pas très pratique, mais Antenmaton. Salut. Bref, voilà. Alors. Que je fasse un peu de place sur l'écran. Alors, c'est bien d'avoir un grand écran, mais j'ai toujours pas assez de place en fait. Il faudrait presque que je me mette un deuxième écran. C'est un peu chier parce que j'ai pas de place sur mon bureau pour mettre un deuxième écran. Mais bon. Alors. Là, tata, on avait placé un caractère. Donc, ce que j'explique dans mon texte, c'est qu'en gros, en mode 40, pas 40, en mode 80, on peut redéfinir des caractères. Alors en mode 80 long, si on passe en mode 80 court, on ne pourra pas. En mode 80 court, on aura le droit uniquement à la table de caractères de base et on n'aura même pas les espèces de caractères graphiques. Alors, les espèces de caractères graphiques, c'est l'espèce de table avec des. Attends, je dois pouvoir vous la montrer là-dessus. Comme ça. Là. Elle doit être quelque part par là. Bon, je vous la montre là, je pourrais vous la montrer dans la doc officielle. Ce serait aussi pratique, surtout que ça se trouve, elle est mal imprimée. Ouais, bon, bref, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc, c'est des caractères graphiques à la con, des espèces de carrés. Bon, c'est mal imprimé, mon truc. Vous voyez, c'est tout dégueulasse. Mais en gros, c'est des caractères. Ça permet de faire des petits dessins tout pourris. Voilà. Je vais mettre mes pages dans l'ordre. Comme ça. Je fous une agrafe sur ce truc-là. Donc on peut pas. En mode court, on peut pas. On ne peut qu'en mode long. Voilà. Voilà. Alors, du coup,
J'y reviens. Ouais, c'est des symboles, quoi. Salut, Camisoul. Il fait beau par chez toi dans le sud. Ah oh, putain, hein, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me faire cette région. Je serais tout seul, je serais pas resté en Normandie, hein, c'est juste pas possible. Ah oh là là, mon Dieu, on se caille. Alors, donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on peut redéfinir des caractères, sachant que quand on redéfinit caractère, on va plus être dans la même résolution. C'est-à-dire que dans l'espace d'un caractère qui fait 6 pixels de large, alors ça, je l'ai peut-être pas dit le dernier coup, en mode 80 colonnes, les caractères sont amputés des deux derniers bits. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 6 pixels au lieu de 8. Donc je parlais l'autre fois de la résolution, elle est en fait, elle est moins bien que sur un CPC, pour le coup. Ouais, j'étais étonné, je me disais, ah ouais, dis donc, je pensais qu'avec le CPC qui fait cette résolution-là, j'avais dit, ah bah ouais, ça fait du 640. Mais en fait, pas du tout. Ça fait pas du 640, ça fait du 480. Donc c'est un peu plus précis que le 320 de large. Mais en fait, c'est du 480, quoi, parce que c'est du 80 x 6. J'aime pas, on voit pas le haut de ma tête là. J'ai l'impression d'être chauve, ça m'énerve. Bah là, maintenant on voit plus le bas. Bordel. Voilà, mieux. Un peu mieux. Alors que je m'occupe de ça, de ces quatre. Bon, bref, donc du coup, on est normalement en mode 80 caractères par ligne. Oh, des caractères qui font 6 pixels de large, donc x 80. En mode semi-graphique, on va plus avoir 6 pixels de large, on va avoir 4 pixels de large. Donc comme on peut le voir là sur mon schéma là, on va avoir deux bandes de 2 pixels. Ah ouais, parce qu'il fallait surtout pas faire un truc simple, comme d'habitude. Donc on obtient des pixels qui sont 3 fois plus larges, hein, en fait, qu'en mode 80 colonnes. Donc ça doit faire logiquement, logiquement ça doit faire un pixel et demi dans le champ. Pas très beau quoi. Voilà, wow, essayer d'afficher ça. Alors j'ai jamais essayé, je sais absolument pas si ça fonctionne sur l'émulateur, mais on va essayer. Donc voilà, on a. En fait, il n'y a pas de du tout. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il parle ailleurs là. Ça parle sur le Discord, mais je peux pas le lire. Je pense pas que ça parle du G5000. Ah, ça raconte des conneries. Ah, il est en train de parler du. SC3000. Bref, donc on s'en fout. Alors, je peux pas suivre. Il est où mon truc? Il est là. Donc du coup, voilà. Donc on a les positions du caractère qui changent rien. On est toujours sur du R6, R7 pour donner la position du caractère. Par contre, R1 et R3 vont avoir des rôles différents. C'est-à-dire que pour faire simple. Ils n'ont pas fait simple. ils ont pris, si on prend ce bloc-là, donc comme j'ai dit, on en aura deux pour remplir un seul caractère, hein, l'espace d'un caractère, mais enfin bref, ils ont pris ce truc-là, nos caractères, avec un bit à 1 quand il y a un pixel et un bit à 0 quand c'est le fond, et ils se sont dit, plutôt que de prendre les 12 bits, parce que ouais, c'est pratique, hein, du coup on se retrouve avec 12 bits, 6 fois 2 quoi. Je suis en train de dire de la merde. On est en 10 bits. Là c'est ça, 10 bits. Ils se sont dit, on va pas les mettre sur les mêmes octets, ou du moins pas sur des octets à suivre. On va en foutre la plupart des bits dans le registre
registre. Attendez que je dis pas de bêtises. Dans le registre 1, et on va foutre les 3 bits qui resteront dans le registre 3. Super pratique, quoi. Bon, bref, on va reprendre ça. Numéro du caractère, pour l'instant, on s'en fout. Bon, on va laisser, mais alors, on va laisser ça. Ça, c'était le registre 2. Je me rappelle plus que c'était le registre 2. Ah, j'oublie d'un stream à l'autre, alors c'est un peu chiant. Où est-ce que j'ai foutu ça? Ah oui, c'est les paramètres de couleur. Donc, ouais, on s'en fout. On va voir ça. Donc, registre 2, il ne va pas servir. Donc, on peut le virer. Voilà, registre 2, il dégage. Ah bah ouais, mais j'ai dit que j'avais le registre 3. Merde. Bon, voilà, on va refoutre le registre 3 pour l'instant. Hop! Bah là, on mettra une valeur. Je vais mettre 0 pour l'instant. Et out. USCF. Ah, au passage, tant que j'y suis, on pourrait très bien avoir stocké dans C, par exemple, le port. Pour passer du 8F à CF, il suffit de changer le bit 6. Hein. Donc on peut utiliser les instructions 7 et bit pour mettre et annuler. Non, pas 7 et bit, 7 et res pour mettre et annuler le bit. Ce qui fait qu'on n'a qu'un seul registre. Ça peut être pratique. Alors là, sur des petites routines comme ça ne vaut pas forcément le coup. Je sais que pour mon désassembleur, je l'ai utilisé pour certaines routines. Bah quand on a plein de registres comme ça, ouais, ça peut valoir un peu plus le coup. Pour le coup. Mais faut pas s'en mêler les pinceaux. Bon, bref. Voilà. Voilà. Alors. Ouais, ok, voilà, donc c'est ça. Donc pour le registre 1, on va le mettre en binaire. Quand on est en mode semi-graphique, donc l'autre fois j'avais dit que c'était toujours à 0 le bit 7, bah pour le coup là on est en mode semi-graphique, donc ce bit sera forcément à 1, ce qui signifie qu'on est en semi-graphique. Voilà. Maintenant, donc on va pas s'occuper d'en faire deux, on va faire qu'un seul. Hein. Notre caractère, si on voulait l'afficher correctement, donc si je mets les bits tels qu'ils sont par rapport à notre caractère, et comme on peut le voir ici, donc 0 pour un pixel de fond et 1 pour un pixel d'écriture, on obtient à ces bits-là, aligné, on obtient ça. Voilà. Si on numérote nos bits, donc on va avoir des bits de 0 à 9, puisqu'on en a 10. Dans le registre 1, il faudra mettre les bits de 3 à 9, sachant que le bit 3, bah, au final, donc là, que je ne dise pas de bêtises, on a le bit 0, le 1, le 2 et le 3 est là. C'est-à-dire qu'il va falloir lire à partir de celui-là, mais dans le sens inverse, en remontant. Oui, c'est très très con, et comme d'habitude. Donc, si on veut faire notre petit caractère parenthèse tout pourri, là, du coup, on va se remettre là et on va mettre à partir du bit 3. Donc, là, vous l'avez là hein, sur mon schéma. Ici, vous avez l'ordre des bits. Donc, on va les mettre tout simplement. Alors, j'espère que ça va marcher parce que vu que j'ai rien essayé du tout, donc le bit 3. Il y a 1, le 4 à 0, le 5 à 1, le 6 à 0, le bit 7 à 1, le bit 8 à 1, le bit 9 à 0. Et voilà, et normalement, on a 8 valeurs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avec le 1 qui dit que c'est un mode semi-graphique. Voilà. Donc notre registre 1, il va être bon. Voilà.
Et maintenant, continuons le gros délire. Le registre 3, il va contenir les bits restants. C'est-à-dire que, tac, il va contenir les bits 0, 1 et 2. Donc, on a dit 0, 1, 2, ils font, on est là, ils font 1, 0, 0. Donc, on va les mettre. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Et après, on peut choisir la couleur d'écriture. C'est la seule couleur qu'on peut choisir. C'est-à-dire que le fond, la couleur de fond sera forcément la couleur du border. Là, on n'a pas le choix. Donc, on est en trois couleurs. En gros, couleur de fond toujours identique. Et on peut choisir la couleur d'écriture. Ça fait deux couleurs. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. C'est plutôt pas trop mal. Ça peut être un bon compromis pour certaines applications qu'on pourrait faire. Quand vraiment on a besoin de caractères spéciaux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Je ne sais pas si on voulait faire un logiciel pour dessiner des typons, par exemple, avec les composants. Bon, on pourrait avoir deux couleurs pour les composants et une couleur pour le fond. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, donc bah, je sais pas, on va mettre la couleur 1, voilà. Et donc ça, c'est pour le caractère pair, parce qu'en fait, on a deux caractères dans le même. Et ouais, c'est le bordel. Donc on aura l'impair, on va foutre à 0, parce qu'on s'en fout. Mais si on voulait afficher deux morceaux, c'est-à-dire deux bandes de pixels, il faudrait redéfinir les coordonnées. Pour se mettre sur le caractère impair et remettre dans R1 les pixels et rajouter dans l'UR3 qui est commun aux deux bandes. Alors lui par contre il est commun aux deux bandes. Et donc il faudrait mettre le caractère pair comme on vient de le faire dans ces bits-là et le caractère impair là-dedans. Un beau bordel. Hein. Si on a envie de bouger quelque chose à l'écran, amuse-toi. Hein. Ça va être... Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, et ce qui est très très con pour le coup, c'est que si on veut afficher un caractère, donc là je vais faire de la merde, je vais afficher comme un gros bourrin, mais si je voulais effectivement afficher deux caractères, j'aurais intérêt à faire gaffe à pas écraser les bits du caractère impair avant d'ajouter du caractère pair avant d'ajouter les bits du caractère impair. Donc là pour le coup, il y aura intérêt de faire gaffe quoi. Voilà, donc on sera obligé de passer par des opérations logiques. Oh, il y a des fautes d'orthographe. Oh, bah ben non, il n'y a pas de fautes d'orthographe. C'est lui qui fait de la merde. Bon, c'est pas, on s'en fout. Voilà. Donc, normalement, en théorie, si j'ai pas fait de la merde, on a redéfini notre caractère. Donc, on a. Ah ouais, le numéro de caractère. Alors, c'est plus le numéro de caractère, c'est les données. Donner du caractère semi-graphique. Hop. Tac. On va mettre ça un peu comme il faut. Ici, c'est trois derniers bits de données et couleurs. Voilà. Donc par contre, ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'une bande peut être d'une couleur et l'autre de l'autre. Hein. Puisque du coup, là, on peut définir la couleur de la première bande et la couleur de la deuxième bande. Donc on pourrait très bien avoir des couleurs de bandes différentes. D'ailleurs, ça aurait pu être rigolo, bah, ça va être le cas, puisque j'ai foutu un 0 et dans l'autre, j'ai foutu un 1. Donc il y a quelque chose à l'écran, vu que je ne l'efface pas, on aura des bandes de couleurs différentes. Alors, ce qu'il faut bien que je fasse gaffe. C'est qu'on a bien mis en colonne 0, puisqu'il faut qu'on soit sur un caractère pair, sinon on ne le verra pas. Et ligne 0, c'est. Bah d'ailleurs, je prends ligne 0. Je suis en ligne 1. Attendez, je me pose une question. C'est que je ne suis pas sûr que ce soit plus 7 qu'il faut faire, mais plus 8. Merci vous cette merde. Coordonnées, numéro de caractère, on s'en fout. Coordonnées.
Au numéro en ligne, j'étais auquel j'ajoute 13, 7. Bon, ben c'est 7, donc c'est bon. Donc je suis à la ligne 1, pas à la ligne 0. Hop. D'ailleurs, la ligne 0, au passage, on en discutait il n'y a pas longtemps, elle est un peu particulière, c'est la ligne de statut. Alors pour l'instant, dans la doc, j'ai pas trop vu de trucs qui parlent de ça, de la ligne de statut. Mais en tout cas, elle a des particularités. Il va falloir que j'étudie ça de près, donc vaut mieux pas l'utiliser. Bon, j'en ai parlé le dernier coup, hein, vite fait, mais il vaudrait mieux ne pas l'utiliser. Donc on peut. Voilà, donc on a bien mis les coordonnées. J'aurais dû mettre Y, ce serait un peu plus. X ici. Hop. Voilà, alors par contre, on est toujours. On est toujours en KRL. Normalement, ça change rien. Je crois que ça change rien. C'est toujours du 80 caractères longs. Voilà, parce qu'en cours, on ne peut pas le faire. En cours, pas de mode semi-graphique. En gros, faut retenir qu'en mode cours, on peut afficher que les caractères alphanumériques et ça s'arrête à ça. Il n'y a rien de plus et. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, alors je vais sauvegarder ça. Je vais l'appeler stream 3. Alors, j'ai perdu le source du premier stream, c'est pas grave, il n'est pas très bon à refaire. On s'en fout un peu. Stream 3, on va assembler cette merde. Voilà, on va faire un binaire. Moi, je suis toujours avec la méthode archaïque. Je suis toujours sous un émulateur CPC pour coder. Voilà, hop. D'ailleurs, mon désassembleur, je le fais exactement pareil. Je code. REM3.1000. Voilà. Hop là. Alors, je sais pas si ça coche, je vais les regarder vite. Et hop. Viens, on a de l'armagnac pour les jours sans soleil. Ouais, tu m'étonnes, on en a besoin, putain. On se réchauffer, là, faudra en boire un paquet ici. Hein. Je vais te dire. Ouais. De l'armagnac, quoi. Ça me rappelle. Ah, c'était lequel The Meeting? Ça devait être The Meeting 2000 qu'on avait fait au stade. Je sais plus si c'était le premier soir ou le deuxième, mais bref, on va pour. On se dit, oh bah tiens, il y a des bouteilles dans le préfabriqué là, du stade. On va regarder ce qu'il y a dedans, ça doit être du floc ou des conneries. Alors je crois qu'il y avait des bouteilles, il y avait des trucs décrits, genre des bouteilles de vin, des trucs comme ça, et on s'est pas méfié, et on s'est servi un verre, un grand verre, et. Bon, on était jeunes, on était cons, et on s'est dit cul sec. Et en fait, bah, c'était pas du vin, c'était de l'armagnac, et ça nous a fait un peu drôle. Ça fait partie des souvenirs de The Meeting assez rigolo. C'était plutôt sympa. Il était cool, The Meeting 2000 en même temps. Sans doute un de mes préférés. Alors, on va enlever la doc, on va enlever l'assembleur, on va mettre The Emulator. Le voici, le voilà. Voilà, bah tiens, je peux. Je peux remettre. Hop, je vois ce que ça raconte. Voilà, hop, on y va. Alors, outils, mise au point. Alors, charger un fichier. Stream 3. Et on va essayer. Et si on a du bol et que ça fonctionne du premier coup. On a du bol. Merde. Attention. Ah, ça fonctionne du premier coup. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là. Regardez, on a notre petit caractère. C'est pas merveilleux ça. Bon, bah déjà, ça fonctionne. Alors, par contre, regardez bien la résolution. On voit bien la différence de résolution entre le caractère qui est juste en dessous qui lui. Il est en mode 80, mais il n'est pas en semi-graphique. Il est en mode 80 colonnes caractère normal, quoi. Et là, par contre, on est en semi-graphique.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que au-dessus, on a un autre caractère semi-graphique qui apparaît. C'est plutôt marrant ça. Là, ici, on a un semi-graphique et là, on a un semi-graphique. Et là aussi, d'ailleurs. Bah, du coup, celui-là est semi-graphique aussi, hein, forcément. Alors, on n'a rien mis dedans, mais c'est un semi-graphique. Bah, tiens, d'ailleurs, on va s'amuser à mettre un deuxième, une deuxième bande. On va faire ça. Alors, je vais remettre. Et est-ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va, alors j'aurais dû mettre un call wait à la fin de mon truc. Et il me semble qu'il en manque un quelque part. Ici. Ah non, il est en dessous. Il est là. Je crois que j'en avais oublié. Hein. Peut-être que je l'ai rajouté hors stream. Call wait. Bon, ça c'est facile à repérer. Hein. À chaque fois qu'on voit un plus 8, il doit y avoir un call wait derrière. En gros, à chaque fois qu'on exécute une instruction, il faut attendre que le F est accusé. Réception. Voilà. Bon, bref, on a mis un caractère. On va recopier exactement tout ce merdier là. Alors c'est bourrin comme code. Hein. Faudrait, dans l'idéal, faudrait faire une table et lire une table. Hein. Ce serait 10 fois mieux. Voilà, donc là je vais mettre caractère semi-graphique 2 ou impair. Impair, on va mettre impair, bande 2. Donc voilà, donc on verra les données après. On va rester sur la même ligne, bien entendu, et par contre. Ici, on avait mis 0 pour le x et du coup, on va mettre 1. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, puisque si vous vous rappelez bien, le bit de parité, il est sur le bit 7. Voilà. Donc là, on l'a mis directement au lieu de me faire chier à faire une rotation, je l'ai mis directement le bit de parité. Voilà. Donc là, normalement, les coordonnées, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va faire. Bon, si je l'exécutais maintenant, on aura exactement le même caractère, mais pas dans les mêmes couleurs. Et est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier? Ouais, parce qu'il va falloir réfléchir, ça va être un peu chiant. Hein. On va laisser ça comme ça. Voilà, donc on avait mis à vue, là, on avait mis la couleur d'encre. Couleur active 1 et là on va mettre la couleur active 0. Donc moi dans ma doc je les appelle comme ça, c'est plus logique. Alors oui, ils appellent ça dans leur doc la couleur 1 et la couleur 2. Je vois pas l'utilité puisque finalement le bit est à 0 pour la première couleur, donc ce sera la couleur 0 et le bit est à 1 pour l'autre couleur, donc ce sera la couleur 1. Donc moi je les ai appelés comme ça, ce qui est plus logique pour une meilleure compréhension. On a mis un JP wait et après on fait une boucle infinie. On va sauvegarder, on va réassembler. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir exactement la même chose, c'est-à-dire notre parenthèse, à côté de l'autre, mais pas dans la même couleur. Voilà. Hop, string 3. Tac. Je retourne là-dessus. On vire le source. On reset le bousin. Voilà. On recharge le truc, mise au point. Je suis toujours pas passé sur MAME. Honnêtement, ça me fait un peu chier d'installer une usine à gaz. Après, on verra si notre ami Mokona ben, l'améliore, hein, puisque lui. À la volonté d'améliorer l'émulation. Alors, ça. Ah, bah oui! Ah, tiens, bah c'est rigolo. Là, on voit que j'ai ma parenthèse qui est pareille, mais j'ai pas le bas. Et pourquoi j'ai pas le bas? Bah, parce que dans le registre 3, eh bah, j'ai pas mis les données. Donc, on va corriger ça. Parce que, comme je l'ai dit, dans le registre 3, il y a une partie des pixels. Et ici, comme on l'a vu, bah, j'avais mis le dernier pixel pour le premier caractère, mais je ne l'ai pas mis pour le deuxième. Donc je ferais bien de le mettre.
Voilà. Ah. Voilà. Save. Stream 3. Hop. On retourne. Voilà, je vis ça. Je remets. On reboot. Mise au point. Charger un fichier. Stream 3. Hop. Et du coup, un petit call. Ah merde, putain, qu'est-ce que c'est de la merde ça? Quelle idée de mettre des touches comme ça? T'as 4 touches sur VG5000, mais non, plutôt que de les mettre comme sur le clavier du PC, c'est mis n'importe où. Bon, bref, voilà. Et ben voilà, on a réussi. On a réussi. Donc, c'est tout nickel. On a nos deux caractères. Donc voilà, bah maintenant on sait redéfinir un caractère. J'avais pas prévu autre chose pour aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un test clavier. C'est bien un test clavier. C'est bien un test clavier, c'est facile à faire. Pour revenir au basique. Ce serait cool. Alors il va falloir qu'on fasse gaffe à certains trucs. Avant de revenir au basique, alors je vais quand on va rentrer dans le programme, je me mets en DI. Donc ça, on va pas le changer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder les registres. Alors, AF. Mais c'est DE, on va sauvegarder HL aussi, même si on s'en sert pas. Hein, au final, je pourrais sauvegarder que A, puisque c'est le seul registre que je modifie. Hein. Donc le reste, on n'en a plus rien à foutre. Si j'ai mon call wait qui doit modifier B, si eh ben non, je me souviens pas. Il modifie pas B. Bon, par contre, on a la carré qui modifie. Bon, enfin, pas la. On a les flags qui sont modifiés, on s'en bat un peu les couilles. Donc voilà, on sauvegarde tous les registres en arrivant. Et en sortie de programme, donc on va virer cette merde. Il faudra récupérer dans l'ordre inverse. Donc on va récupérer. Je sais plus par quoi j'ai terminé par BC. Non, BCDE, non, HL. HL, ouais, c'est ça. Donc on récupère dans le sens inverse. Hein, pour rappel, la pile, imaginez une pile d'assiettes. Si vous mettez AF, BC, DE, HL, bah forcément le premier que vous allez reprendre, c'est HL. Ensuite CDE, ensuite ça va être BC, ensuite AF. Donc pop HL, on va récupérer DE, on récupère BC. Et on récupère AF. Alors moi je fais tout le temps dans ce sens-là. Pourquoi? Bah parce que c'est dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, E et après HL, quoi. Tout simplement. Donc comme ça j'évite de se planter. Voilà. Donc ça, ce sera notre routine de retour. Quand on reviendra, on fera ça, on fera EI et on rendra la main. Mais avant de faire ça, on va rajouter un test clavier. Alors le test clavier, c'est un truc simple. Miracle. C'est vraiment un miracle. Bon, salut Dead System. Le clavier est quelque chose de simple sur VG5000. Ils ont enfin décidé de faire quelque chose de simple. Alors voilà le clavier. Donc le test clavier, en gros, ils ont été intelligents, ils nous ont mis un port par ligne. Donc là, on voit sur le port 81, on aura ces touches-là. Sur le port 81, on aura ces touches-là. Vous avez vu, je vous ai refait un beau schéma. D'ailleurs, il faudra que je l'agrandisse un petit peu. On s'en fout, c'est des îles, mais... Ce sera un peu plus flou. Alors, je sais pas ce que ça donnera l'impression, mais... Et puis, ce qui serait bien, il est
de le centrer. Voilà. Bon, bref. Ça, ce sont les lignes. Donc, pour chaque ligne, on aura un port différent. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Sachant que un bit correspondra à une touche. Alors, si le bit est à 1, ça veut dire que la touche n'est pas enfoncée. S'il est à 0, c'est que la touche est enfoncée. Bon, c'est un grand classique. Hein. C'est comme ça sur beaucoup de machines. Donc, nous, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va utiliser la barre espace pour se barrer. Donc, j'ai mis un exemple de routine en dessous. Ben, on va pas se faire chier, on va utiliser celle-là. Hein. C'est celle que je me suis faite. C'est très bien, il n'y a pas de raison de s'emmerder. Donc, on va faire test du clavier. Voilà. Donc, on va mettre le port dans 81, du coup, puisque c'est la ligne espace. Donc, la ligne espace, elle est bien ici sur le port 81. Voilà. Toc. Donc, on va dire. Paf. On va dire ligne 1 du clavier. On va le lire. Voilà. Donc, on récupère la valeur. Récupération de la valeur. Alors, on va pas faire un RRA. Là, j'avais fait un RRA, mais c'est pas ce qu'on va faire. On peut faire un AND. Et. C'est un peu con, pourquoi je fais un. On va pas se faire chier, on va faire un CP. Et du coup, on va le faire en binaire. Donc, A, on s'en branle. Là, la flèche vers le haut, on s'en branle aussi. Le retourne, on s'en fout. Là, il y a un truc vide. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est du joystick ou quelque chose qu'il y a là-dessus? Il y en a trois trucs vides. Je sais pas à quoi ça correspond. Je verrai ça plus tard. Si quelqu'un a la réponse, bah, n'hésitez pas à le dire. Après, c'est le Caps Lock. Alors, d'ailleurs, Caps Lock, il est où sur un vrai clavier? Parce que je le vois pas. Je sais pas si c'est la touche. Ça doit être la flèche vers le haut entourée d'un carré. Alors j'avoue que je me suis très très peu servi de la vraie machine. Puisque je fais pas de basique. Ah ouais, alors ça va être très très con. C'est que je suis débile. C'est que les touches elles sont levées. Donc levée, levée, retourne, levée. Là, le truc on sait pas, levée. Caps lock, levée. Espace sera baissé. Le Q sera levé. Et run sera levé. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hop, touche espace. Alors on voit que si on voulait, on pourrait tester plusieurs touches à la fois. Hein. Si elles sont sur la même ligne, c'est très très facile, hein, puisqu'il suffit de mettre les bits qui correspondent. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. Voilà, et on va faire un JR. Donc du coup, si le bit est à 1, c'est-à-dire s'il n'est pas 0, ah ouais, non, alors, pas comme ça. Je suis comment je lis mon truc. Donc, si le résultat est à 0, si je ne dis pas de bêtises, on va... Je ferais mieux de faire un NZ, pour le coup. Hop, NZ. Et là, on va retourner à touche. Et touche, on va le mettre là, touche. On n'a pas besoin de redonner le C, hein, il ne va pas changer. On va lire. On continue de lire. Vous voyez ce que j'écris ou pas? Je suis trop loin dans le truc. Ah si, vous voyez ce que j'écris. Pas trop, je remonte un petit peu. Voilà. Et dans quel cas, on ira là. Sinon, si la touche n'est pas enfoncée, on continue. Voilà, si je ne me suis pas planté, ça devrait fonctionner. On va sauvegarder. Ensemble, et du coup on fait une boucle en permanence sur le test de touche jusqu'à ce que la touche soit bonne. Alors je sais pas combien il est rafraîchi, j'en ai un peu rien à battre, on s'en fout. De toute façon ça réagira quand ça réagira, j'ai envie de dire. Tac, je sauvegarde stream 3 toujours. Voilà.
Voilà, si j'ai pas fait de la merde, ça devrait marcher. De toute façon, on va s'en rendre compte rapidement. Je vois pas la même chose que vous, hein. Des fois les fenêtres sont derrière et là pour le coup l'émulateur était complètement derrière et je le trouvais pas. Mise au point. Charger un fichier. Stream 3. Rafraîchir. Donc, je sais pas s'il faut faire rafraîchir, hein. Je crois pas. On n'est pas obligé. Allez, 5000. Voilà, si j'appuie sur espace, ça fonctionne. Ah oui! Ça fonctionne, mais donc là on voit, on est retour en basique et on a bien un retour. Par contre, on est toujours en mode 80 colonnes. Ah, la grosse blague! Pauvre daube. Donc, effectivement, ben, c'est logique, hein, je lui ai pas dit de changer de mode. Donc, on reste en mode 80 colonnes, donc c'est de la merde. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est de repasser en mode 40 colonnes et sur VG5000, il est en 40 colonnes court, si je ne dis pas de bêtises, au démarrage. Donc on va retourner là-dessous. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que juste là, on va passer en mode 40 colonnes. Plus 8. On va passer en mode 40 colonnes court. Voilà. Ah, virgule. Et là, du coup, il va falloir que je trouve là-dedans, dans la doc, la valeur à mettre. Donc, on est en 40 colonnes 12 bits, 10 bits, 10 ou 12, j'en sais rien, c'est mal imprimé, ça doit être 12. Bon, j'en sais rien, vous regarderez. Bon, c'est KRG quoi. Allez, on y va. Donc KRG, c'est 0, 0, 0, 0. On s'en fout. 0, 1. Et 0. Oui, parce que si je le mets à 1, c'est un direct register. Bah, si, il doit être à 1, hein, du coup. Merde, je me rappelle plus. Attends, je me demanderai comment j'ai fait pour changer de mode. Oui, il doit être un. Bah oui, registre en direct, il est forcément à 1. Normalement, c'est bon. Je me suis pas trompé de valeur. Alors, sachant que ma doc, elle est imprimée de façon dégueulasse. Bon, les paramètres, on s'en bat les steaks, hein. Allez, on va se dire que ça marche. Et du coup, on envoie, voilà, un petit call wait, puisqu'une fois de plus, on a envoyé une instruction. Et voilà, en théorie, ça marche. Ok, je refais. Hop, je vire mes fenêtres. Ah non, c'est pas celle-là, merde. Celle-là. Voilà, on reset. Mise au point. Ok. On va pas faire rafraîchir pour voir, ça doit marcher quand même. Ah! Putain. Donc voilà, on a toujours notre bête truc, notre deux petits caractères. Et si j'appuie sur espace, ça marche pas. Connard! Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder dans la doc Alice. Ça, c'est pour ça que je veux. Les astuces d'Alice en version océarisée. Pardon. J'ai dû vous exploser les oreilles. Alors, ça devrait être par là. Bon, vous voyez pas ce que je regarde, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mode 40 caractères. Ah oui, bah, ils utilisent KRF. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais ça doit être un truc tout con. Ah mais ouais, je fais de la merde. Mais n'importe quoi. Mais oui, le mode c'est TGS et putain. Oh là 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 là. Ouais, comme quoi. Comme quoi quand on n'a pas de temps pour coder et que ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas mis le nez dedans, et ben on fait de la merde. Pour rappel, du coup, je vous le mets à vous aussi. Pour rappel, le changement de mode, ça se passe ici. TGS et PAT, nos fameux trucs de merde avec deux. Oh mais merde, putain. Avec les deux bits de TG de bit 7 et 6 de TGS. Et le bit 7 de PAT qui donne le mode. Putain, bordel. Je vais essayer à parler un jour, moi. Donc, n'importe quoi ce que j'ai fait. En fait, j'étais en train de donner des trucs pour les caractères et tout ce bordel. Donc, c'est complètement con. C'est complètement con. Donc, en fait, ce que j'ai à faire, c'est juste reprendre ça. TGS et PAT. On va reprendre le call wait avec. Voilà, et là on aura. Et là ça va fonctionner par contre. Donc on vire cette merde qui sert à rien. On copie ça là. Voilà, alors touche. Là je vais mettre. Putain, c'est pas très clair mon truc. Hein. De mode. En vrai, faudrait mettre ça dans les sous-routines hein, pour voir se faire chier. Donc voilà, donc là on choisit notre valeur à mettre dans le registre TGS. Et donc dans le TGS, on va lui mettre en vue du 40 caractères courts. Donc TGS, il lui faut 0,0. Alors, il où c'est le con. Hop. 0,0. Et dans PAT, on est en caractère court. Il faut mettre un 1. Alors, il ou PAT. Il est là, il est. Il est pas. Hein. On va le mettre à 1. Voilà! Et là, normalement, c'est bon. On est en mode 40 caractères. On sauvegarde. On assemble. Et normalement, on a fini. Je réfléchis. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Bon, concrètement, hein, sur VG5000, on a tout intérêt à faire des sous-routines. On va pas chercher la performance la plupart du temps. On va initialiser l'écran et une fois que l'écran est initialisé, là on travaillera dessus. Mais d'abord, tout ce qui est format de l'écran, son mode et ces conneries là, il vaut mieux le faire en amont avec des routines
qu'on appelle par des calls, etc. Et ne pas se chercher à faire un code trop linéaire qui va être illisible après. Voilà, bon, je crois que j'ai sauvegardé, je sais plus si j'ai sauvegardé, je parle en même temps, du coup je sais plus ce que je fais. Donc. Là, je vais boire mon café avant qu'il soit froid. Ok, bon, jusque-là, tout fonctionne. Et attention, est-ce qu'on va passer en mode quinte colonne? Yeah! Retour au basique! Et normalement, je peux rappeler ma routine directement. Ça va refonctionner. Alors, tiens, c'est marrant parce qu'on voit que, y a eu des changements dans les trucs que j'ai pas définis. Va savoir pourquoi. En tout cas, on a un retour en basique propre qui répond correctement. Voilà. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais plus si j'avais quelque chose à dire. En tout cas, pas sur VG5000, je ne crois pas. J'ai pas de nouveau matos, puisque pour l'instant, il n'y a pas de nouveau matos. J'ai des trucs sur CPC, mais bon, du coup, c'est pas en rapport avec, avec ce qu'on fait là. Je suis vraiment en bas de l'écran, moi. Non, je crois qu'il n'y avait rien de particulier, il ne se passe rien dans le monde de, dans le monde du VG5000. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère la semaine prochaine, lundi prochain, sauf imprévu. Lundi prochain, on est le combien? Parce qu'il y a un lundi où ça va être compliqué de streamer. Combien là? On est le 30. On est le 30? Voilà un truc que je capte pas. Ah oui, si on est le 30. Si, si, on est le 30. Ok, donc le mois prochain, c'est le 8, donc si, normalement, il n'y aura pas de soucis. Encodeur en surcharge. C'est parce que j'ai dû allumer une fenêtre à la con et Windows me prendre la ressource. Bah, j'ai juste regardé le calendrier. Ah, mon Dieu! C'est Windows. Si vous voulez faire perdre des ressources, allumez des conneries de Windows. Bon, bref. Et donc, bah, j'espère pouvoir montrer un petit peu mon désassembleur si j'ai avancé, ce qui n'est pas gagné. Bon, je vais avancer un peu cet après-midi, normalement. Sachant qu'après le désassembleur, bah, je me coderai un assembleur. Histoire de pouvoir coder sur la vraie machine directement, du moins pour faire des tests rapides, alors pas pour. Dans un premier temps, j'aurai rien pour sauvegarder, donc je vais éviter les conneries. Je vais éviter de faire des gros trucs. Mais au moins pour tester les instructions à la con, genre le CLG et ce genre de trucs, ce sera largement suffisant. Donc faut que je me fasse un petit assembleur. C'est un exercice rigolo. Bon, j'ai déjà commencé sur papier, voir ce que je voulais faire. Et puis ouais, puis il va falloir que je regarde toutes les instructions à la con. Expansion, compression. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Byte. Byte, on en a parlé l'autre jour. Je sais plus à quoi ça sert. On en a parlé brièvement l'autre jour sur le Discord. Move buffer, bah je sais pas. Mauve double buffer, je sais pas non plus. Mauve triple buffer, j'en sais rien non plus. Par contre, si on peut faire du double buffer ou du triple buffer, ça c'est cool. Ça c'est cool. On a les clear pages, donc CLF et CLG. Il y en a un qui est en 24 bits, l'autre en 16 bits. Je sais pas. Je sais pas exactement comment ça fonctionne.
Ça, c'est pareil, c'est à voir. On a les trucs de synchro vertical. Aucune idée. Le Inky Grec, je pense que je vais le tester aujourd'hui. Au moins sur émulateur. J'espère que ça fonctionne. Et puis on a le NOP. Alors le NOP, l'instruction NOP, on pourrait dire pourquoi avoir une instruction NOP sur le processeur graphique. Alors en fait, c'est pour les instructions de recopie. Parce qu'on a des instructions qui permettent de copier un octet tout le temps. Tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter. Et en fait, le NOP va servir à l'arrêter, puisque à partir du moment où on va envoyer une instruction à l'EF 9345, bah du coup il arrête celle qui était en cours pour passer à la nouvelle instruction. Ah, ça a figé. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le stream a figé. Bon, on s'en fout. Sur ce, je vous laisse. Et puis oh, sinon, on verra peut-être le mode 40 colonnes. Peut-être. Tout un programme. Allez, à plus!